Hier matin, guerrier je seul, Liliane Pierre-Paul n'est pas un simple journaliste, mais c'était plutôt un journaliste engagé, un journaliste militant et grand pile monde qui était considéré comme un acteur ou actrice important dans la bataille pour nous gagner la liberté la parole, nous gagner aujourd'hui dans la bataille pour la démocratie bourgeoise. Nous avons fait référence à deux périodes dans l'histoire pays, ça, par exemple la fin des années 70, début des années 80, avec bien entendu et toute lutte qui était caractérisée période ça, des luttes qui étaient liées à mouvement nous te connais qui était contre la dictature dans le pays d'Haïti, contre le régime des Duvalier. Donc il y a des monde qui étaient côtoyés de plus près dans l'époque là et Madame Pierre-Paul soit qui était acteur tout dans mouvement ça yo ou bien qui était journaliste tout qui était prend des engagements tout dans même période ça yo et eux même yo plus ou moins mieux placé passer nous pour comprendre personnage et il y a une contribution dans ça rien comme pays journée jeudi à c'est ainsi que j'ai été annoncé tout au début guerrier nous y avec nous souligne là ancien premier ministre Evans Paul ancien journaliste homme de théâtre en pile chapeau hein oui. Bonjour ancien PMKP comment nous y est? Bonjour, bonjour, bonjour Johnny, bonjour Guerrier, bonjour tout auditeur, tout le monde qui branche, Captain D, Radio Caraïbe. Bonjour Liliane, il n'est pas fait 4 ans, il fait 7h30 environ. Et c'est comme ça, il qu'on salue le peuple haïtien chaque jour, il fait 4 ans. Et il fait 4 ans, a commencé depuis la Radio Haïti. Moi, fait connaissance son jeune demoiselle qui est Liliane Pierre-Paul dans fin année 70, yo, précisément 1979 dans Radio Haïti Inter. Radio Haïti Inter, ça, l'été dans quelle ville là, tout près mairie Port-au-Prince, tout près local côté mairie Port-au-Prince, c'était avant d'être écrasé. Et dans rue du Caire, bon, laissez ça, t'es un mouvement presse indépendante. T'es gagné, même t'es capable de dire un triangle, qui t'es gagné radio classique, même t'es dans radio classique, t'es gagné radio Haïti, t'es gagné le petit samedi soir. À un moment, t'es gagné radio, t'es les radios progrès nouvelles. Alors, faut me dire, on t'es fait un switch tout dans radio Caraïbes, mais à l'époque, radio Caraïbes, pour qu'on ait une position d'avant-gardiste. Okay. À noter, toi, à l'époque, c'est pas Patrick Monsignan qui t'a pu gérer radio Caraïbes, c'était Jean Bouawan. Alors c'est pour les jeunes, parce que grand pile jeune qui dans la radio capable de l'histoire Radio Caraïbes qui là depuis 1949. Il s'est fêté en pile milliards depuis la travail. OK, ça c'est parenthèse d'en faire. Alors Liliane Pierre-Paul paraît comme une jeune dame et apparemment timide et non mitant bon monde qui mène un combat extrêmement difficile qui prend des responsabilités. Et public là pour faire connaissance. Il est dans un journal qui était fait à 2h du soir, dans Radio Haïti Inter, ensemble avec compère Philo Anthony Pascal, qui mourit il y a environ 3 ans, et même date avec Liliane Pierre-Paul. Alors, 31 juillet, il y a un monde qui fait remarque là déjà, c'est à la fois date de la mort et Anthony Pascal et compère Philo en 2000, c'est date de la mort. Liliane Pierre-Paul en 2023, c'est date naissance Jean-Dominique, okay. Qui était un groupe autorique, on est capable de dire, qui était patron dans la radio Haïti Inter et qui était prêt à exil ensemble avec eux. Alors, Liliane Pierre-Paul paraît, c'est un moment côté bagarre après le gâter, nous pourrons arrêter compère Philo, nous pourrons déboucher sur 28 novembre 80, arrêter un bon journaliste. Dont Liliane Pierre-Paul, vous voyez en exil. Liliane Pierre-Paul va tomber en exil d'abord au Venezuela. Venezuela, il va joindre un petit peu le support de monde qui était là déjà et qui était encadré, les gens étaient capables de gagner. L'ancien président Leslie Maniga qui était en exil au Venezuela, tu gagnes Arnold Antonin, qui sont cinéastes, tout le monde connaît qui était Venezuela, qui t'a accueilli. Bon, ils font tant. Venezuela, avant d'aller à Montréal, au Canada. Bon, au Canada, à Montréal, c'est là où elle était jusqu'à l'heure. Et le régime dictature a tombé en 86, c'est pour le tomber. Et c'est à Montréal, Canada, il va rencontrer Marie-Lie, Anthony Barbier, qui est un
un militant de la capacité démocratique, qui est un professeur à l'université, que j'ai rencontré tout à l'époque ça. Alors, c'est tout un cheminement, Liliane Peyrepollier. C'est une femme engagée. Son monde qui a un pile caractère. Son monde un peu dur, avec une sale pensée, l'abdioulé. Mais en même temps, respectueuse. Et c'est-à-dire, l'abdioulé, mais il y a un mot à utiliser pour dioulé. Peut-être Liliane ou autant dynamique, pas forcément Liliane. Qui n'a coulisse là. Son monde qui sensible tout, souvent problème l'après l'eau, l'exprimer sympathie, etc. C'était une femme à plusieurs dimensions. C'était une femme, c'est une mère de famille. C'est maman, un seul petit garçon qui est à Olizarak. Bon, nous pouvons présenter les condoléances, nous présenter toute famille en condoléances, Stéphane, Carole, Sully, maman qui est très âgée, et toute équipe Radio Kiskeya, en particulier Marvel Dantin. Je pense que son gros coup, particulièrement pour Radio Kiskeya, son gros coup pour la presse haïtienne, c'est une voix, une voix écoutée, une voix, on est capable de dire aimée, une voix appréciée, une voix tout controversée. Nous sommes dans la société, pas que personne qui fait unanimité. Ouais. Alors moi-même, c'était l'occasion pour me saluer mes mots. Et en même temps, pour me dire que ce n'est pas le moment de faire polémique sur un monde qui servit le pays et qui mourit dans la condition qu'on est. Alors, il y a un peu de monde qui a posé question, quoi, hier, parce que j'ai une intervention. Et, alors, peut-être Liliane Paty avec une mission inachevée, mais lui-même l'était. Probablement accompli mission Palin qui s'était sacrifié toute jeunesse li pour que en pile nan nou jodi an la gen droit pour a parler di sa ne penser et là nous sorti de radio là pas grand monde qui vinn camper là ou bien qui a rentré pour en radio parce que ou oser di sa penser de pouvoir politique et quelconque et donc est-ce que ou même ou pensez que c'est aller dans même sens là à savoir que travail là parlant il était fait mais payant situation pays à tout niveau vient aggraver changement que il était espéré il pas arrivé fait. Bon, ça, c'est la grande déception. Ce n'est pas une déception pour Liliane seulement, c'est une déception pour un pile monde. Elle a parlé de réalité pays d'Haïti, de ça n'a constaté, de dégradation, de ça n'a vivre. Quand elle m'a parlé avec quoi, moi, dans le Nord, mais le constat, moi, je ne fais pas tout presque, même si c'est originaire du Nord, mais elle est là assez souvent, mais le constat m'a fait de la ville du Cap. C'est un désastre. Normalement, pas de problème de sécurité, de Port-au-Prince là. Mais sous plan environnemental, etc., c'est un désastre. Alors qu'on est sa ville, ça représenté comme ville touristique, comme ville historique, etc. Là, il y a un problème de dégradation, il y a toute qualité de bagage, explosion démographique. Il y a un pile problème. Bon, mais mettez chaque problème en place. Liliane était jouée partition par là. Partition par là, c'était une femme engagée. C'était un porte-parole de la société, Marie-Lé le constat, un porte-parole de la société. C'était pas un lecteur de nouvelles, c'était un journaliste d'opinion qui a pris position. Et c'est sûr que leur prend position, il y a une controverse, même nous-mêmes qui n'a pas de Caraïbes là, nous avons des gens qui prennent position assez souvent, ou même guerriers, on fait tout. Il y a un monde qui est content, il y a un monde qui n'est pas content, surtout les positions prend. Il pas aller dans sens intérêt pour dans tel moment déterminé, mais ça m'a dit en pile courage et son société. C'est comme ça qu'on fait équilibre dans la société. C'est pas un monde qui pas touché d'une manière ou d'une autre de la mort subite de madame Peyrepoll qui marquait société. C'est plus que 40 ans d'engagement public, d'engagement de la presse. Et nous même qui fait paraître dans métier, faut dire non que c'est pas un bagage facile. Et à l'époque que Liliane Peyrepoll a travaillé dans Radio Haïti, dans Rue du Caire, dans Mitan Port-au-Prince, dans Sable, Port-au-Prince, pas de consomme, des camarades, etc. Quelle fois est obligé de dormir dans la radio, ou fin de bailler nouvelle, là, peut-être 9h30, 9h15. Et puis, conseiller de monde suspect, dans la zone radio, pas comme ça, si c'est espion, si c'est Toto Makout, si c'est SD, etc.
Et puis, bon, plutôt tout dormir dans la radio, c'est que son militance, lié, son travail, qui est un travail normal, mais là, fait non contexte, le fait de dire la vérité, il faut me dire nous, à l'époque, Tigin Babouquet, moun pat kon bay n'importe qui nouvelle. Bon, le fait côté bay yon nouvelle, sou Nicaragua, pas même sou Haïti, nous, ou bay nouvelle sou Nicaragua, ou di gon machoué ou traverse qui chavire parce que son mouz a tombé, ou bien ou bay nouvelle, ou bay kap passe Philippines, qui semblait à la réalité pays d'Haïti. Ou ça seulement, yon kapap, yon kapap bon kout makak peut-être ça, yon kapap batou peut-être ça, parce qu'on pas de gain doit faire allusion à un bagay qui semblait ça kap passe pour ici. C'était ça, là. C'était ça le combat il y a deux périodes, il y a pour première période, c'est période lutte contre la dictature, deuxième période là c'est pour la période nous entrer n'a chercher une route pour démocratie que nous pas rejoindre jusqu'à présent, nous a confusion, controverse, contradiction, matin on était une chance tendre nous avec un pile intérêt et faut me dire nous pas trop bon signal même temps de nous avec un pile intérêt débat qu'a fait là et mon senti que son société qui gon bon problème pas grand rien qui clair tout bagarre là dans le bon controverse en procédure judiciaire pas ta doué un problème si qui vient pour mon aller qui vient pour parler mais tout est malheureusement politisé dans le mauvais sens le fait politique aïe. Alors là, moi, je pensais que Liliane allait, mais ça pour le faire, elle fait déjà. Ils font travail d'éducation, ils font travail d'engagement, ils font bagaille, ils apprennent le monde, prend position. Leur prend position, ils ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ou prend position qui correspond à aspiration, à confiance, à confiance ou gain en tête, ou à conviction. C'est saleté qu'on fait, gain monde qui n'est pas d'accord avec lui, gain monde qui n'est pas aimé. Mais dans un moment, quand il y a un bail qui est inquiété, je ne sais pas si on ne peut parler normal. Quand il y a un même les gens mourir, attaquer, etc. L'homme mourir, ça lui est moi, bien sûr, pas un monde qui n'était pas fait sous terre, mais ce n'est pas le moment d'attaquer une personne. Je pense que c'est le moment de rendre un hommage, nous avons souvenir de ça qui a été fait, de contribution qui a été portée sous terre. Et puis ça lui fait un mini. Un petit garçon, Sœur Lika Wall, Frère Stéphane, tout le monde dans la famille, maman qui est très âgée. Je pense que c'est ça pour nous faire. Bye, famille, on support, saluer Marvel, les collaborateurs depuis, bah, on est 30, 40 ans, toute équipe dans Radio Kiskeya, et puis toute la presse haïtienne, nous-mêmes, tout qui est affecté, parce que nous-mêmes, Liliane, ne voulait pas venir, ils sont guides pour nous. Bon, c'est lui-même seul, nous avons un journal qui. A bay nouvelle qui a fait commenter à la fois, à sa manière. C'est lui-même qui te fait ça. Bon, par contre, dans Radio Caraïbe, nous avons l'autre gens qui fait lui, mais c'est des particularités, ça rentre dans la dynamique société. Hein? Mais la presse là est en lumière. Ça ne veut pas dire qu'il y a une controverse dans la presse là. Moi-même, je suis très choqué, très frappé. Pas nouvelle. Nous tous nous voyons là. Même pas qu'on était malade, et puis comme nous connaissons mort subite, nous saluons mémoire, les tombés dans circonstances très difficiles qui fait nous la peine. Nous avons une bonne relation avec lui. Nous avons des désaccords tout. C'est-à-dire que nous avons un bon bail, ou dit, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et puis nous discutons de ça, mais nous ne sommes pas obligés d'accord tout le temps. Nous-mêmes, quand parlons dans la radio, nous avons des désaccords tout. Mais des accords, pas vrai, nous ennemis. Au contraire, des accords capables de renforcer les relations. C'est ça pour nous apprendre. La société est dynamique. Les faits d'accord et désaccord. Et nous cherchons des solutions à des accords. Des accords, parfois, ils sont malentendus, des accords, ils sont fondés. Mais ça qui est important, nous vivons aucune crise de société. Nous vivons une ambiguïté totale. Moi-même, c'est plus gros inquiétude. Moi, je ne sais pas où est-ce que nous allons aller. Chaque monde fait ça, et vous voulez, chaque monde dit ça, et vous voulez. Nous, notre situation, là, nous, on passe un gouvernemental. Nous ne savons pas combien de temps l'a duré, si il a gagné l'élection, qu'il a gagné l'élection. Toujours qu'on parle en pile, pas rien qui clair, ça crée une incertitude en dans le pays. Hein? Et je pense que c'est plus gros crise, là. La crise de l'incertitude, la crise de l'ambiguïté, c'est ça. Pas, grand goût, c'est yon, mais pas qu'on ait qui l'a mangé à pire. Alors, c'est ça et la situation. Ma présente nous, parti nous tous, ma félicite nous. Moi, nous, bah, ça a un paquet d'importance. Radio Caraïbe fait une émission spéciale pour dès le premier jour et puis hier matin. Je n'ai pas de signal pour m'intervenir, même de arriver tant de nous.
D'accord. Et puis moi, je crois que nous rend hommage, là, il y a un hommage qui mérité pour nous informer l'autre jeune YouTube. Mm-hmm. Evans Paul, ancien PM, donc c'est vrai, nous ne pas l'avoir souvent dans l'espace là, même là, c'est Mounka là, mais nous ne pas qui tout aller pour ne pas demander comment ou même, comme ancien Premier ministre, à vivre conjoncture ça là, à vivre réalité ça là à tous les niveaux, notamment sur le plan sécuritaire. Allô? Mm-hmm. Oui, oui. Oui, par contre, si vous voulez. Nous avons demandé de nous dans hommage à Liliane et Paul Damatin. Mm-hmm. C'est-à-dire, si vous voulez, je ne voulais pas interview pour nous parler de conjoncture politique, mais vraiment, je ne vais pas mélanger les choses. Mais Liliane demandé pour nous raccorder longtemps, en temps, pas capable de dire hommage, de sympathie, de réflexion à l'agile. Alors, matin, je ne vais pas aimer faire commenter sur l'autre bagaille, pas parce que je ne parce que je voulais consacrer petit moment ça en hommage à camarade de combat, moi, pour la liberté d'expression, Liliane Pierre-Paul. Nous vous le concédons, mm-hmm. Monsieur le PM. Oui, alors, moi-même. Merci beaucoup. Oui, Dervé Mado, BMKP, qui est bon façon, moyen, ou pensez que pays, t'as qu'à honorer mémoire Liliane Pierre-Paul? Bon, normalement, il y a une procédure sous hommage, il y a des textes qui disent funérailles officielles, funérailles nationales, etc. Hommage national, par exemple, les compères filotés mourir, parce que leur parti remplit une fonction officielle, et d'après le texte, là, je ne sais pas qu'il y a un funérailles. National, mais au cas où on finirait hommage national, hommage national, parce que nous gagnons pas dans ma parole avec l'ancien premier ministre qui mourut, Jean-Jacques Onora, finirait la première fête samedi. Moi, j'ai une implication parce que moi, nos associations d'anciens premiers ministres, etc., nous avons gardé qui ça pour faire, d'après texte là, parce qu'il y a des grades tout, le président, c'est le premier ministre lié, son finirait officiel, il y a gagné, pas un finirait national. Alors, le matin, on a fait un débat, on a tendu nous avec un pire intérêt, on a tendu mettre Oxylus, on a tendu mettre Gédéon. C'est l'école Radio-Caraïbe là tout, qu'un jeune qui n'en doit pas attendre. C'est pas un matin qu'on s'est levé parce qu'au terrain, mon monde, et puis on a décidé, mais qui type de funéraire, il faut qu'on référence légale. Mm-hmm. Et nous sommes obligés de garder à partir de quelle référence pour garder qui type de funéraire qui est capable d'organiser pour Liliane Pierre-Paul. Est-ce que c'est funérailles officielles? Est-ce que c'est funérailles? Est-ce que c'est hommage national? Par exemple, le Max Beauvoir est mort, c'est moi qui étais premier ministre. Nous sommes obligés de créer un bail nouveau, les hommages nationaux. Parce que pas de gagner provision par rapport à rôle qui était rempli, même si c'était important dans le pays, pour nous débattre un funérailles officiel ou bien un funérailles national. Alors, pour Liliane Pierre-Paul, je pense que le service protocole par les nationales, là, en même temps qu'ambassadeur Mazil, bien placé pour qu'on ça. Ça, son aspect. L'autre aspect, je pensais qu'il faut que l'on prie Liliane Pierre-Paul, peut-être AJIAS ou bien l'autre association journaliste, pour nous vénérer mémoire, que l'on prie, on prie de la liberté d'expression de Liliane Pierre-Paul, qui a un bon bagage, et chaque année, on prie comme ça, quelqu'un est vivant, dans la société, à ces propositions, ça. Proposition, ça pas venir de moi, même grand pile, monde qui suggérait, ouais, pour nous encourager une initiative comme ça à la mémoire de Mme Liliane Pierre-Paul, que je pensais qu'il était un pays à un pile service, qui souffrait en pile, qui prend pile responsabilité, qui prend pile engagement. Mm-hmm. Et nous pensons que mairie auto, pas, ne va pas parler de mairie Port-au-Prince seulement, mairie à travers le pays, hein, capable de décider by des rues. Peut-être non, ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. Mais aussi, c'est des procédures. Par exemple, Liliane Pierre-Paul, alors, comme on connaît bien connexion, t'es évolué dans une zone post-machin, elle était plus jeune. Par contre, on a si des moyens pour jouer non ou capoter non ou bien si c'est dans le côté radio qui est à IEA, qui ont l'autre nom, est-ce qu'on a changé non? C'est des procédures. Je ne pas vouloir improviser parce que société pas en marche, chaque fois que vous faites ça, vous faut toujours garder les références légales, etc., qui sont en cas de fait. Mais c'est un monde qui méritait pour vous et honorer les mêmes gens. Il y a un journaliste qui n'a pas tout au ras ça parce qu'à l'époque, Yvonne et Hakim Rempel qui jouent un rôle important dans la période de François Duvalier. Et il y a des gens qui toujours songé mémoire. Mais pas grand-chose vraiment qui symbolisait le combat de Ménéen
parce que Liliane Pierre-Paul méritait plus que pour Nabdil, ton ancien journaliste ou bien ton ancien directeur de programmation de Radio Kiskeya. C'est ton femme qui était prend pile responsabilité, en pile engagement. Et justement, de pour prendre responsabilité ou pour prendre pile engagement, lui entraîner l'amour, lui entraîner la haine. C'est l'équilibre de la vie. Et c'est monde qui n'a pas fait rien du tout, qui n'a pas fait monde qui remet ou monde qui raille. Eh bien, merci un peu, le Premier ministre. Alors, merci un peu, le Capé. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, bien mes sympathies. Et à la famille, Liliane Pierre-Paul, maman, Carole, Stéphane, petit garçon, Liawol, et puis toute équipe radio, Kiskeya, Marvel Dandin, tout le monde qui est affecté, tout corps, et la presse là, et puis Mabdi Radio Caraïbe. Merci pour hommage, pour tant nous consacrer, pour rendre hommage à Liliane Pierre-Paul, même s'il n'a jamais travaillé dans la radio Caraïbe. Merci en plus, bonne journée. Voilà, bonne journée, à vous même tout. En CPM, Evans Paul, Kapé, avec Linda PCI. Et Kapé, personnage Liliane Pierre-Paul, là, je ne l'ai dit, l'étape introduit en CPM, là. Eh bien, Liliane Pierre-Paul, c'était plus passé un simple journaliste guerrier. Donc, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur non plus. L'OS, c'est tout pays, là, dans tout compartiment, qui a pleuré. Départ, Liliane Pierre-Paul, qui a témoigné, même si vous jouez deux, trois mounes qui ont même avessé et craché. Sous l'ambo madame nata pour faire madame nan passer pour salpaye alors que gon série de monde qui participe nan krasé pays ça qui participe nan mette pays ça côté lié a mais y a besoin au champ et si demain matin yo passer non série de rue y a besoin moun suiv yo alors que moun za yo ta dou côté a réfléchi derrière barreau ou bien non l'autre endroit qui pas société a qui pas scène publique yo et malheureusement c'est yo qui a faire moun leçon c'est yo qui a faire moun morale. Et puis on a fait Liliane passer comme monde qui décrase le pays. Non mais c'est grave, oui. Et c'est peut-être pas qu'on rôle, pas qu'on travaille, journaliste. Et bon, il est toujours dans l'opposition, il est toujours en face pouvoir. Mais on y a, on a dit, tout ce qui s'est fait. Hein? Qui s'est fait que on monde pas qu'à en face, pas doué en face pouvoir. Et c'est parce que pendant tout le temps, équipe, tout le monde qui passe, il a travaillé pour le pays, pour le développement pays, qui fait que il n'y a pas d'obligé de monde en face. Yo. Il y a toujours des gens en face. Parce que son équipe monde sans vision, sans engagement, sans projet, qui toujours prend tête pays. Et qui mène tout mène nous là. Il m'a ajouté sans l'amour au pays. Oui. Vous comprenez? Donc, on a toujours joué un Liliane Pierre-Paul qui toujours capable de faire face. Depuis que je suis mal, il y a gardé en bas. Il y a gardé en bas. Et moi-même, je dis ça, tout autant que j'ai chance à exercer la profession journaliste. Donc, on pouvoir venir là faire propagande pour mais n'a pas nouvelle n'a dit mais ça fait qui bien oui. Mais comme ça tout on pouvoir venir là côté les PHTK côté les tête ceci tête cela côté les petites l'autre bord n'a venir là tout n'a dit ou pas assumer ses responsabilités n'a critiquer vertement un débat sur ça.